Professeur Méningo, vous dirigez un service de chirurgie plastique qui prend en charge le cancer du sein et la reconstruction mammaire. Comment vous êtes-vous intéressé à la prévention du cancer du sein ? Ben, vous venez de le dire, quand on s'occupe d'un service de chirurgie plastique qui prend en charge le cancer, on s'intéresse forcément à la prévention. Mais il se trouve aussi qu'on s'occupe dans ce service d'enseignement, notamment dans le domaine de la médecine anti-âge, de l'esthétique. Et forcément, donc, on s'intéresse à tout ce qui participe à la prévention de différentes maladies, et notamment du cancer et du cancer du sein. On dit que la pollution augmente le risque de cancer du sein. Qu'en est-il réellement ? Alors, je crois déjà qu'il ne faut pas paniquer. La pollution est peut-être un petit facteur de risque, mais il y en a d'autres beaucoup plus importants, on y reviendra. Il faut prendre en considération que depuis au moins 10 ou 15 ans, l'espérance de vie des Français augmente de 3 mois par an. Donc on dit que la pollution augmente, mais l'espérance de vie augmente beaucoup. Si on prend par exemple l'exemple de Paris, on considère que Paris est une ville très polluée. Or, il se trouve que Paris intramuros a une des espérances de vie les plus élevées dans le monde. Je crois que le seul endroit dans le monde où on vive plus vieux qu'à Paris, c'est la principauté d'Andorre. Donc il ne faut vraiment pas paniquer par rapport à la pollution. Il y a d'autres facteurs de risque beaucoup plus importants. Et donc, quels sont ces facteurs de risque ? Les deux principaux sont l'obésité et le manque d'activité. Il faut vraiment pouvoir contrôler son poids. C'est vraiment le facteur de risque principal. Et puis le manque d'activité. Quelles sont les règles hygiéno-diététiques sur lesquelles on peut jouer pour diminuer le risque de cancer du sein ? Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, hein, qui sont des facteurs génétiques. On peut organiser une prévention, mais bon, ce sont des discussions qu'il faut avoir avec son médecin ou son chirurgien. Il y a des facteurs sur lesquels on peut vraiment très peu jouer, comme le fait d'avoir eu son premier enfant après 30 ans, ou de ne pas avoir eu d'enfant. Il y a des facteurs liés donc à le traitement hormonal substitutif qui peuvent aussi quand même, qui doivent être discutés avec son gynécologue ou avec son médecin traitant, parce que il peut quand même y avoir des bénéfices au traitement hormonal substitutif qui peuvent compenser un très léger risque surajouté. Et sinon, il y a des facteurs hygiéno-diététiques sur lesquels on peut jouer, qui sont sur le plan de l'alimentation, de vraiment contrôler son poids et donc d'adopter idéalement une alimentation de type méditerranéenne, donc une alimentation riche en poissons, en fibres, en fruits, en végétaux, c'est le principal. Et en ce qui concerne l'alcool et le tabac ? Alors, l'alcool est un facteur de risque. Une consommation excessive d'alcool va augmenter le risque de cancer du sein. Donc, ce qu'on conseille actuellement, c'est... Mais il y a des compensations, c'est-à-dire que une consommation très faible de vin, notamment de vin rouge, va diminuer notamment des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, ce qui est recommandé actuellement, c'est qu'une femme qui n'a jamais bu, c'est de ne pas commencer. Et une personne, une femme qui a une consommation d'alcool, c'est de la faire vraiment de façon très, très modérée. Ce qui est recommandé actuellement, c'est pas plus d'un verre de vin par jour. D'accord. Alors le tabac, c'est écrit dessus, c'est mauvais pour la santé. Il n'y a pas un gros facteur de risque surajouté par rapport au cancer du sein, mais en revanche, sur quasiment tous les autres types de cancers, le risque est très augmenté, notamment pour le cancer du poumon, les cancers des voies aérodigestives supérieures, donc très déconseillés. Faut-il avoir une activité physique ? Alors l'activité physique, c'est extrêmement important. Ça peut se décliner de deux façons. Donc soit une activité sportive. Ce qui est recommandé actuellement, c'est de réaliser 5 jours par semaine au moins une demi-heure de sport. De sport réellement soutenu. Alors ça peut être 2 fois une heure, puis une demi-heure, mais il faut totaliser à peu près cela dans la semaine. Et puis ce qu'on remarque actuellement, ce qui est très important, c'est d'avoir une activité physique
au quotidien, c'est-à-dire de marcher, d'être actif, de ne pas abuser de la voiture, c'est-à-dire toutes les activités physiques à faible consommation d'énergie, si j'ose dire. Par exemple, le fait d'être assis trop longtemps dans la journée augmente le risque de cancer. On considère que quelqu'un qui reste assis plus de 7 heures par jour ne peut plus compenser par une activité sportive. Donc il faut savoir être actif. Une anecdote, par exemple, à table, celui qui se lève pour aller chercher l'eau ou le sel, bah c'est lui qui a raison. C'est pas celui qui reste assis. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les compléments alimentaires? J'entends par là, les antioxydants et les compléments vitaminiques. Alors le fait de prendre des compléments alimentaires, notamment des antioxydants, n'a pas prouvé une efficacité en termes de réduction du cancer. En théorie, oui, parce que donc, il y a toutes sortes de modèles expérimentaux et animaux qui montrent qu'il pourrait y avoir une réduction, mais dans la pratique, pour l'instant, ça n'a pas du tout été démontré. Concernant les vitamines, si on a une alimentation équilibrée, il est tout à fait inutile, il peut même être délétère de consommer trop de compléments vitaminiques. Un petit bémol sur la vitamine D, quasiment 50% des Français sont carencés en vitamine D. On sait que la vitamine D participe donc à la prévention de certains cancers. Donc si on pense pour être carencé, il faut compenser, mais par rapport à des apports normaux, il ne faut pas dépasser les apports normaux en vitamines. Donc voilà ce qu'on pourrait conseiller. Donc pas de complément alimentaire, éventuellement de la vitamine D, c'est tout. Est-ce que la prise de café augmente le risque de cancer du sein? Alors le café n'augmente pas le risque de cancer, il est même conseillé par rapport à la prévention cardiovasculaire. On l'a longtemps pensé, mais pour l'instant, il n'y a aucun lien établi entre cancer et consommation de café. Faut-il manger bio? Alors, on peut manger bio, ça peut participer à une philosophie, à une façon de voir la vie, mais sur le plan médical, pour l'instant, on n'a pas du tout pu démontrer qu'une alimentation bio diminuait le risque de cancer. Alors, bio, il y a beaucoup de types de bio différents, hein, peut-être que sur certains segments du bio, il peut y avoir un intérêt. Pour l'instant, ce n'est pas du tout démontré. Ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation variée qui apporte donc tous les nutriments nécessaires, les oligoéléments, les vitamines. Et dans l'alimentation bio, jusqu'à présent, on n'a pas pu démontrer qu'il y en avait plus que dans l'alimentation traditionnelle. Ce qui est important, c'est de bien laver les fruits et les légumes. Donc, pour ne pas avoir de pesticides ou d'herbicides dessus, c'est tout ce qui est recommandé jusqu'à présent. Et justement, est-ce que les pesticides et les herbicides Alors, augmentent le risque de la cancer? consommation directe de pesticides pourrait augmenter le cancer, bien évidemment, mais encore une fois, si on nettoie bien ou si on pèle ses fruits, il n'y a aucun risque surajouté. L'alimentation trop salée est-il associée à un risque plus grand de cancer? Alors non, l'alimentation trop salée n'est pas recommandée par rapport au problème de l'hypertension artérielle, mais il n'y a aucun lien entre consommation trop salée et cancer établi jusqu'à ce jour. Et l'alimentation végétarienne, est-ce qu'elle diminue le risque de cancer? Alors, l'alimentation végétarienne par rapport à une alimentation très calorique, parce que généralement les végétariens ont une alimentation très très mesurée. Donc oui, là, elle diminue le risque de cancer simplement parce que les végétariens, d'une façon générale, contrôlent mieux leur poids. Maintenant, ce qui a pu être montré, c'est que, par exemple, les presque végétariens, c'est-à-dire qui mangent néanmoins du poisson notamment, ont finalement un risque moins important que les végétariens ou voire les végétaliens. Donc, le plus important, c'est de bien contrôler son poids. Est-ce que la prise de thé diminue le risque de cancer? Alors, il n'y a pas de. On a pu le penser parce que dans le thé, il y a beaucoup d'antioxydants, notamment. Et notamment dans le thé vert. Mais finalement, on n'a pas pu démontrer un intérêt de la consommation de thé. C'est pas vraiment un thé, mais il y a une boisson sud-africaine qui ressemble au thé, qui s'appelle le Rooibos.
pour lequel il y a certains éléments qui tendraient à croire que, à faire penser que le facteur de risque de cancer diminue légèrement. Mais les études sont en cours et on n'a pas encore toutes les preuves sur ce sujet. Est-ce que le soja est une bonne alternative au lait? Alors, oui et non. On a pu montrer que les aliments à base de soja, notamment le tofu, diminuent le risque de cancer, notamment de cancer du sein. Mais il faut se méfier d'une chose, c'est que dans le soja, par exemple dans le lait de soja, il n'y a pas suffisamment d'apport en calcium. Et donc il faut compenser, à ce moment-là, il faut compenser. Donc moi, je conseillerais d'avoir quand même un peu d'alimentation lactée, que ce soit sous forme de fromage, de yaourt, ou voire de lait, ne serait-ce que par rapport aux apports nécessaires en calcium. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, professeur. Et en résumé, sur quoi doit-on porter ses efforts en priorité pour diminuer le risque de cancer du sein? Eh bien, les deux priorités, c'est de contrôler son poids, de se rapprocher le plus possible du poids idéal, et puis d'avoir une vie active. Je vous Merci. remercie.